Inès, estás má feia? Ei, não costumas má fica. Enel et Inès, je t'entends pas. Voilà, hein, quand même, on se voit pas. C'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. J'allais te dire justement, attends, j'étais en spectateur, donc du coup, je l'ai un peu accepté. Voilà. Ok, super. Donc, je viens de partager avec toi le lien, la présentation. D'accord. Et je vais juste essayer le partage d'écran. D'accord. Okay. Ah, tu peux me donner l'accès au partage d'écran, s'il te plaît? Oui. Emily? Salut Inès, salut Nadia, t'as mon téléphone. Salut Emily. Salut Emily. Ça va? Ouais, très bien. Voilà. Merci beaucoup Inès, je sais les work qui est sur toi hier. Avec plaisir. C'est bon comme ça, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Très bien. Mais la base, puisque tout est OK, Ranem Shinam, le choix est rouge à lèvres. D'ailleurs, s'il y a des questions au cours de route, donc on t'interrompra, quelqu'un peut creuser sur les questions qui intéressent les gens. S'il vous plaît. Voilà. Ouais. Sinon, on fera un Q&A. En général, de temps en temps, on intervient quand on peut tirer ça vers un sujet qui peut intéresser les entrepreneurs, vers un projet, vers quelque chose. Ouais. Et juste, Haja, est-ce que tu sens d'abord que le clip est en train de se légèrement, oui. D'accord. D'accord, je vais me rapprocher un peu. Haja, c'est est-ce que quand des choix que tu as à peu près, quand j'inclus les interactions via la présentation, on a combien de temps? Ça peut être entre 50 minutes et 1h30, call session qui fait, chantier ou le temps que tu veux allouer. D'accord. Voilà, ouais, c'est pas une petite heure, des fois on déborde un peu. D'accord, très bien, ça marche. Ok. Très bien, on va attendre que Inès revienne avant de lancer le live. أميني قديش من عبد سايند اب في الايميل؟ ما نعرفش انت تعرف رقم شهيد ومعرفش. اون ديزاين فما. مي انا ديما كنا بعثنا بعض للباز دو دوني الكل معناها العبيد اللي يعملوا الانسكريبسيون من اول بروجرام. اوكي. Alors, I'm almost there. Est-ce que nos participants nous entendent en ce moment? Normalement, oui, dans la mesure où Femma Mariam Kal parle. Oui. Sinon, oui, ils nous entendent. D'accord. Très bien. Et
Et je pense qu'à un moment donné, puisqu'ils ne sont pas nombreux, on peut permettre l'échange. Inès, je vais prendre leur micro pour interagir, parce que j'aimerais bien leur poser un petit peu quelques questions. On le fait aussi de temps en temps. Et, quand ils veulent poser des questions directement, on le fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'interaction avec les personnes qui sont connectées à Zoom, mais sinon, on a le live sur Facebook. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui se connectent directement sur Facebook. Et on va les encourager à passer sur Zoom, rappel, ça facilite l'interaction. Oui, effectivement. Les amis, c'est parti dans... Là, voilà, c'est parti. Non, je me tape d'ailleurs. Très bien. Écoute, on va démarrer pour ce sixième épisode du programme TS Academy. Donc, on va rappeler rapidement en fait le concept. Le concept InternavageDid, c'est fait par des entrepreneurs pour des entrepreneurs avec pour objectif de présenter les notions clés d'entrepreneuriat. Donc, DIN avec un pilote fait TS Academy Product Management pour parler justement de Product Management. Les dernières sessions, on a parlé de définition générale de Product Management, on a parlé de spécification, de prototypage, d'implémentation et de data. D'ailleurs, je vous invite à revoir les autres sessions si ce n'est pas déjà fait. Au Lyon, on va parler avec Inès d'un concept très important dans justement la définition du produit, le Web Design Thinking. Un petit rappel avant de démarrer, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, on vous invite à vous connecter sur le lien Zoom. Ça facilitera les interactions telles comme Marana ou Mara Inès et ça vous permettra aussi de récupérer par la suite les ressources de la session. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci Inès d'avoir accepté notre invitation. Je te donne la main pour nous parler de Design Thinking. Avec grand plaisir. Merci. Merci Wissim. Alors, Assem Anesekol, très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, si jamais vous ne me connaissez pas, ben, je me présente un peu. Ça peut toujours aider de savoir à qui on a affaire. Donc, je suis design thinker, je me définis comme design thinker, en effet, ça peut être carrément un métier, en fait, mais ça peut être aussi une casquette qu'on peut rajouter à un background, à notre métier. Mais essentiellement, voilà, je me définis comme design thinker, donc je suis consultante et formatrice très centrée sur l'humain. J'utilise mon empathie de laquelle j'ai souffert pendant que j'étais jeune pour maintenant générer de l'argent et faire de l'argent. Donc, j'ai fondé Commit. Commit, c'est à la fois une école, un business, en fait, une boîte de consulting et aussi une communauté d'apprenants. Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent des formations avec moi, qui continuent après et qui bossent aussi avec moi. Parfois, ils interviennent sur des missions. Donc, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est, toutes les problématiques liées à quand l'humain intervient, en fait, elle ne marche plus. Et du coup, comment utiliser justement ce facteur humain, mieux le comprendre et mieux l'apprivoiser pour que l'innovation soit réussie. Parce qu'on sait tous que le facteur humain, il est très difficile à maîtriser et très souvent, justement, il est oublié, en fait, dans la conception des produits ou voilà, des services. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Donc, on étudie beaucoup les comportements, on essaie de comprendre les besoins de cet humain, on le voit dans son environnement et on fait toutes sortes d'études pour être sûr que ce qu'on propose, en fait, cadre avec les besoins de cette personne-là, de l'utilisateur, et que ça s'insère dans sa logique quotidienne, en fait. Pour vous présenter le design thinking, en fait, je me suis dit, en fait, il y a tellement de champs d'application que le meilleur moyen, à mon avis, c'est de vraiment vous présenter quelques cas d'études où ce que je vous invite à faire, c'est de voir un petit peu si vous connectez en fait avec ces cas d'études-là, si ça vient vous rejoindre vous en tant qu'entrepreneur ou voilà, le type d'idée sur lequel vous voulez travailler. Ou d'ailleurs, n'hésitez pas à interagir avec moi, un des chats Mahloul en parallèle. Donc, en fait, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat pour me dire, en fait, pour réagir, en fait, un petit peu avec moi. Ou voilà, si jamais il y a des choses que vous voulez poser des questions. En gros, en fait, comme le maximum possible de cas d'études. Et après ça, je vais vous montrer un petit peu le process, comment il fonctionne. D'accord? Donc, j'ai sélectionné en fait pour vous maintenant 4 cas. Donc, un cas de salle d'attente dans un hôpital, un cas de McDo, The Founder en fait, toute l'histoire de McDo. D'ailleurs, le film The Founder, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir parce que c'est une institution en soi, McDo. Et ce film-là, en fait, est une leçon, une vraie leçon. Il y a beaucoup de design thinking en fait là-dedans. Le cas de Swiffer, qui est super intéressant en fait, comme produit qui a été
inventé donc par Procter & Gamble, et un autre cas en healthcare de l'IRM. Donc c'est un cas peut-être classique, peut-être la plupart d'entre vous y a un fou, mais c'est toujours bon en fait de le revoir et de se rappeler un petit peu comment il a été fait là-dedans. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous allez remarquer, je vous le dis tout de suite, mais maintenant n'hésitez pas à interagir aussi après, que quand on parle de design thinking, voilà, design centré sur l'humain, on parle de user experience. Et en fait, on parle de expérience. On parle énormément de designing new experience, donc de design de nouvelles expériences. Donc, vous voyez que là, au-delà du produit ou voilà, du service, c'est quelle est l'expérience que va vivre mon utilisateur en fait en interaction avec mon produit ou voilà, mon service. Ça, c'est quelque chose, une notion qui va revenir beaucoup dans toutes les présentations que je vais faire. Et du coup, c'est pour ça que par la suite, vous allez comprendre aussi comment justement aller chercher ces éléments-là de réponse pour savoir en fait comment concevoir une expérience intéressante. Maintenant, on ne conçoit plus des produits, on ne conçoit plus des services, on conçoit des expériences d'utilisation. Donc, c'est très holistique en fait. C'est vraiment maintenant, on prend le produit ou voilà, le service dans toute sa splendeur avec tout l'environnement qui vient avec. Oui, l'user theory, à quoi il pense, comment il se sent et du coup, comment il va utiliser mon produit ou mon service. B. Donc, voilà, je vais commencer par le cas de waiting experience. Ce que je voudrais vous dire entre-temps, alors je parle essentiellement en français, en fait, avec quelques mots en tunisien. Si jamais parmi vous, il y a des gens qui assistent et qui sont uniquement francophones, dites-le moi. Comme ça, ben, je minimiserai mes interventions en arabe. Voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que voilà, il y a un hôpital qui a fait appel à une boîte de design, en fait, qui leur a dit, on voudrait concevoir une chaise pour la salle d'attente de l'hôpital. Et du coup, en fait, ces designers-là, sa boîte de design, elle a dit, attendez d'abord, avant même de concevoir une chaise, Khalina, on comprend, c'est quoi attendre? C'est quoi l'expérience de l'attente, Manta? Quelqu'un qui attend, il est dans quel état d'esprit? De quoi il a besoin? Pour qu'on comprenne, nous, est-ce que vraiment c'est une chaise que ça prend? Ou elle, comment est-ce que cette chaise-là, en fait, va être conçue? Du coup, ils ont fait pas mal de recherches donc, fondamentales, donc sur Internet, la data, des choses comme ça. Donc, vraiment, tout ce qu'on sait qui est disponible, qui est accessible sur Internet, sur les books et tout ça. Ils ont fait des interviews avec des experts de la santé, des experts de l'attente, des experts de la psychologie, de la psychologie, de la sociologie. Ils ont fait aussi des discussions de groupe avec les patients pour comprendre comment ils vivent cette expérience-là d'attente. Et ils ont préparé, en fait, pour ce qu'on appelle la recherche sur terrain. Chichi à la recherche terrain, c'est qu'ils sont allés dans 6 hôpitaux différents pour vivre différentes expériences d'attente. Et l'objectif, c'était de dégager... Qu'est-ce qui définit l'attente dans un hôpital? C'est quoi la particularité de l'attente dans un hôpital? Et c'est là où ils ont collecté donc toutes les données pour par la suite en fait préparer un workshop créatif. Donc ils ne sont pas venus avec les idées, ils ont collecté les idées. Hasselo, c'est quoi le besoin? C'est quoi l'expérience d'attente? Ils ont préparé un workshop et ils ont invité encore une fois au Creative Workshop. Ici, ils ont invité en fait donc des patients, du personnel médical pour proposer des idées. Et à la fin, ils sont arrivés donc en fait avec le design des solutions et la communication autour du projet. Donc déjà, ce qu'on observe en fait dans la façon d'aborder un projet avec une approche de design thinking, c'est que ma femme a d'abord l'user, le final user, on l'incorpore dès le départ dans l'interview pour l'écouter et savoir ce qu'il va nous dire. On se met aussi à sa place pour aller au-delà de ce qu'il nous dit et ressentir ce que Howa il ressent et voir d'autres choses que peut-être Howa il nous a pas dit mais que nous on peut voir parce que de notre œil d'expert bah on peut aller plus loin là-dedans. Et en même temps, on inclut aussi cet utilisateur-là dans l'ideation. Donc ça, c'est aussi une particularité très intéressante et très importante du design thinking. C'est une approche de co-création. Hein. Donc en fait, on n'est plus dans la posture « d'un expert qui connaît tout, je suis au summum de tout ». Je suis vraiment dans la posture de « moi, je suis en fait un coach, un facilitateur pour que mon utilisateur me dise en fait de quoi il a besoin ou « et j'enrichis avec mes connaissances à moi ». Donc c'est une posture différente. Donc, ils sont arrivés avec
six éléments qui caractérisent en fait l'attente dans une salle à l'hôpital. La première, c'est le dilemme de se localiser. De se localiser dans un hôpital ou voilà, dans une clinique, c'est toujours tu sais où, par où te rendre, tu sais pas par où tu sors, c'est pas évident de retrouver, tu vas aux toilettes et tu as l'impression d'avoir perdu la salle d'attente, tu sais plus où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, donc c'est quand même assez problématique. La deuxième particularité, c'est que c'est jamais confortable, hein, attendre dans une salle d'hôpital. Les chaises sont pas du tout confortables et dès qu'on est un petit peu corpulent ou à la hack, on a un petit peu de surpoids, on est en ce sens squeezé et puis on n'est pas du tout à l'aise. Il y a aussi énormément d'informations. Il y a des pamphlets, il y a des templates, des dépliants et tout ça. Et en fait, il y a aucune information vraiment pertinente. Pour vous, mais je n'ai jamais rien appris en attendant dans une salle d'attente j'ai appris quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette gestion du temps, c'est-à-dire qu'en fait on sait quand est-ce qu'on rentre, on ne sait jamais quand est-ce qu'on sort, et on n'a aucune idée de si on a faim, est-ce qu'on peut aller manger ou aller, parce qu'en fait on a toujours peur de se faire appeler au moment juste où en fait on vient de quitter. Il y a aussi cette durant l'attente, il y a ce time down en fait où il y a rien qui se passe. Tu as beau avoir vécu à 300 000 à l'heure dans ta vie, quand tu arrives dans une salle d'attente d'hôpital ou à la hâte chez le médecin, on dirait que tout s'arrête et puis voilà, tu as un temps mort dans lequel tu peux absolument rien faire. La dernière fois, j'avais pris des dossiers avec moi et des rapports que je suis allée lire. Généralement, je prépare. Avant d'aller chez le médecin, je m'arrange pour avoir du homework que je peux faire dans la salle d'attente. Mais du coup, voilà, ça, c'est un temps mort en fait qu'on cherche toujours en fait à optimiser. La plupart des gens sont en train de lire des magazines qui ne servent à rien ou elle est sur leur téléphone. Et il y a ce sentiment d'imamda, est-ce qu'on s'occupe de moi? Est-ce qu'on m'a oublié? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous occuper de moi? Est-ce que vous m'avez oublié? Donc, il y avait en fait ce sentiment de aman, c'est un peu ça. Donc, en fait, c'est les caractéristiques, c'est les insights, les kharjoum. Après observation, après interview, c'est comme ça qu'ils ont caractérisé, voici ce qui caractérise l'attente et qui fait que ça soit pénible pour les gens. Quand on dit ce qui caractérise l'attente, donc c'est les pain points finalement que l'user en fait il ressent à l'hôpital. Donc pour faire ça, ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un empathy journey map. Donc ça c'est quelque chose que ça va revenir plus tard dans l'explication. Empathy journey map, donc step by step, je décortique le parcours en fait de mon utilisateur pour voir à chaque étape qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est quoi son niveau de stress, de quoi il souffre et tout ça. Pour vous donner une idée donc un peu sur le type de solution qu'ils ont proposé, ils ont proposé au lieu d'avoir une chaise en fait de salle d'attente, ils ont proposé plutôt un genre de canapé en fait où modulable en fait, dans lequel en fait les accoudoirs peuvent être ajustés, il y a des rehausseurs pour avoir différentes hauteurs aussi, il est fait en fait avec une matière qui est beaucoup plus comforting. Oui, on dirait un storyboard, Mohamed. Oui, c'est en fait le user journey map, c'est comme un storyboard, effectivement. Donc, ils ont choisi des matières plus comforting, plus cocooning, en fait, qu'une chaise en plastique. Ils ont aussi pensé aux enfants, en fait, qui sont là, qui peuvent avoir envie de jouer, et en tout temps, partout où on est assis, il y a toujours moyen de regarder, de voir, en fait, où est-ce qu'on est rendu dans le classement et dans l'ordre, en fait, maintenant, quand est-ce qu'on va passer. Donc, ça, c'est important, parce que c'est une source de stress énorme, en fait. Ils ont aussi remarquez qu'il y a des gens parfois qui ne veulent pas forcément être assis l'un à côté de l'autre. D'abord parce qu'ils veulent interagir. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dans une salle d'attente et d'interagir avec votre voisin d'à côté, puis vous vous retrouvez avec un torticolis au bout d'une demi-heure. Donc en fait, ils se sont dit, tiens, il y a des gens qui pourraient avoir envie d'interagir. Elle qui pourrait avoir envie aussi d'être assis à une table en fait et de feuilleter en fait un magazine et s'asseoir autrement. Donc ils ont créé deux types d'espaces en fait, comment s'asseoir dans cette salle d'attente. Ils ont aussi conçu une application mobile qui te permet justement de savoir où est ton rang. Donc, tu veux aller boire un café ou aller manger quelque chose ou aller à la hajak, tu vas savoir 5 ou 10 minutes à l'avance que ça va être bientôt ton tour. Donc, en fait, ça enlève une grosse partie du stress. Ils ont aussi conçu
des flyers en fait qui permettent de préparer la rencontre avec le médecin. Donc pour utiliser Hacket Time Down avec, donc Khali, je mets en fait c'est quoi les symptômes, les choses pour lesquelles je veux aller voir mon médecin, et en fait il y a un autre pamphlet où je peux écrire aussi qu'est-ce que mon médecin m'a dit et que je devrais m'en souvenir en fait. Ils ont remarqué que les gens généralement ils rentrent, ils veulent parler au médecin de 3-4 choses, finalement ils en disent 2 et ils oublient les 2 autres, et souvent aussi quand on sort de chez le médecin, bon, on ne se rappelle jamais de ce qu'il nous a dit, hein. Ça va tellement vite, et si on ne le prend pas en note, en fait, on ne s'en rappelle jamais. Donc, et donc, c'est des solutions, différentes solutions qu'ils ont conçues pour changer carrément toute l'expérience de l'attente, mais pas que. En fait, ils ont aussi pensé à revoir, ils ont remarqué que dans un hôpital, curieusement, les gens sont malades, ou la plupart des gens ben, ont le cholestérol, ils ont la tension, ils ont toutes sortes de maladies, et c'est là où on trouve le maximum de junk food, en fait, de distributeurs automatiques, de quoi ? De coca, de chocolat, de chips, de bref, toutes les cochonneries, en fait, qui ne sont pas bonnes pour le corps, et qui sont aussi source de nuisances visuelles, j'ai envie de dire, hein, pas juste gustatives. Donc, ils ont redesigné le distributeur en fait de automatique, en favorisant en fait une opportunité de sensibiliser les gens à l'importance de bien manger, donc 5 fruits et légumes par jour et 2 litres d'eau, et en même temps ben, ce distributeur là en fait ne distribue que des fruits et légumes et de l'eau, ce qui fait du plus de sens en fait quand on est malade, on n'a pas forcément envie de chips ou de barres de chocolat ou à la quoi que ce soit. Et pour finir, en fait, un truc super sympa, c'est qu'en fait, justement, ce temps-là d'attente, ils se sont dit, tiens, nous, avec tout le personnel qu'on a à l'hôpital, on pourrait faire des petites sessions de 10 minutes, ou à la de 20 minutes, ou à la de maximum 40 minutes, où justement, soit c'est des vidéos, où elle a des leçons de cuisine, où elle a des cours de yoga, où elle a des choses comme ça. Et en fait, on pourrait avoir une programmation plus ou moins régulière, surtout dans les heures où on sait qu'il y a énormément d'attentes. Enfin, à des heures bien précises où on sait que l'attente est minimum de 30 minutes ou à la 3/4 d'heure. Donc, du coup, il pourrait y avoir des activités comme ça. Oui, par exemple, on apprend à changer un pansement à travers, en fait, il y a une vidéo où on nous montre comment changer un pansement, il y a une vidéo où on nous montre comment qui fait shtamel zorriqa. Donc, il y a des cours de cuisine. Donc, en fait, il y a des petites choses comme ça, de cuisine healthy, bien sûr, c'est ça le concept en fait, c'est d'être dans un hôpital mais d'apprendre en fait à prendre soin de soi, et ça en fait ça change tout par rapport à l'expérience en fait d'attente en tant que telle, qui devient une expérience enrichissante et une expérience d'apprentissage. Donc ça vous donne un peu une idée. Ça c'est un gros projet, d'accord, ça c'est vraiment le gros projet qu'on aborde. Je vous rassure, les autres ne seront pas aussi gros, mais je voulais aussi vous montrer comment on peut partir d'une expérience très une expérience d'attente, Manta, qui peut paraître anodine, Manta. Tout ce qu'on nous a commandé, c'est une chaise, en fait, pour s'asseoir dessus. Mais c'est comme, attendez d'abord, avant même de concevoir la chaise, Khalil Nanchouf, toute l'expérience et comment cette chaise peut transformer l'expérience qui est vécue par les patients. On peut imaginer, suite à un design comme celui-là, Manta, l'effet que ça peut avoir sur les patients, Manta, en termes de à quel point ils peuvent être calmes, justement, et tout ça. Et quand ils vont voir leur médecin, déjà, ils sont en meilleure posture. Le médecin lui-même aussi, Manta, il est en meilleure posture parce qu'il reçoit des patients qui sont plus calmes et plus zen. Et du coup, Hata, Manta, au niveau du traitement, il a plus d'efficacité. Peut-être avant de passer à un autre cas, Inès Habitnarf, est-ce que tu sais si ce design a été implémenté quelque part ? En fait, je sais que ça a été commandé par ça a été fait par une firme espagnole pour un hôpital en Espagne. Je sais que ce cas a remporté un grand prix à l'international. C'est un prix universel en design. Honnêtement, je pense qu'il a été implémenté, mais je ne suis pas certaine. C'est vrai que c'est très intéressant de voir le KAV particulier. Tu pars d'une chaise, au fait d'une problématique de la salle d'attente et de recréer toute une expérience, c'est fascinant. Et il y a toute la partie de l'implémentation et le coût, au fait, de passer de je veux une chaise à redesign toute ma salle d'attente et le feedback au ras. C'est comment est-ce que les gens l'ont vécu. Malgré la façon dont ils ont un peu conçu la chose, en général, quand tu pars dans un hôpital, tu es dans un état un peu de stress, tu es un peu tendu. J'ai beaucoup aimé l'anecdote par yoga et les cours de cuisine. Est-ce qu'on
on est dans un état d'esprit pour faire du yoga ou de la cuisine pendant le temps d'attente, je ne sais pas. Donc en fait, il y a peut-être une partie sur comment ça a été implémenté, comment ça a été perçu, quels sont les bénéfices de ce design-là, quel a été le coût ou un surcoût s'il y a eu à ce niveau-là. Mais c'est vraiment fascinant de voir comment tu peux ouvrir un problème pour redesigner toute l'expérience derrière. Effectivement. Après, il y a beaucoup, beaucoup de d'articles sur ce cas. Hein. C'est The Waiting Experience by Fuel4. Donc, en fait, je vous invite à... donc, Fuel4, qui est une boîte, en fait, de design. Très très connu dans le monde du healthcare en fait. Donc ils agissent énormément dans le healthcare. Dima en fait cherche à changer des expériences et à les rendre plus acceptables pour les gens. Mais vous pouvez en fait googler et faire le suivi de tout ça. Ceci dit, en Tunisie, il y a eu il y a quelques années, justement revoir l'expérience entre autres à l'hôpital d'enfants et tout ça. Donc en fait, il y a eu des expériences similaires implémentées en Tunisie. Où là, il ne faut pas croire que c'est vrai que ce projet-là, le coût, il est faramineux, mais en même temps, on peut faire en fait vraiment. On peut faire design et charge, mais c'est que dépendamment de ton budget, tu peux vraiment faire la différence, même avec un petit budget. Donc, c'est à vous de décider par la suite jusqu'où est-ce que vous voulez aller dans la conception des choses. Mais l'essentiel, c'est de comprendre déjà et de voir par la suite, de privilégier et de prioriser ce qui est important. Oui, absolument. Je pense que faire une application mobile, ce n'est pas forcément très coûteux. Et faire intervenir peut-être des bénévoles pour les activités de yoga, il y a beaucoup d'associations qui font ce genre de choses, ça ne peut pas coûter forcément plus cher. Mais ça reste, je pense, je vais chercher et je vais voir un peu comment ça a été implémenté et dans quelle mesure est-ce que ça a eu un impact, je pense, sur la vie des patients. Oui. Très bien. Mohamed Tawfiq, en fait, il y a. Je viens de l'écrire. Désolée, tout à l'heure, en fait, je me suis rendu compte que je n'écrivais pas au bon groupe. Mais. The founder. خلينا نتعدىو the founder خاطر الوقت يجري وين عندي برشا حاجات أبو بريزونتي. The founder en fait c'est magnifique en fait. Si jamais qui m'a raconté que vous n'avez pas vu le film, il faut vraiment le voir. Pour la petite anecdote, donc en fait Ray Kroc, le mec qui a fondu qui a fait the founder qui est le fondateur de McDonald's. En réalité, Hawa, c'est pas celui qui a inventé le concept dans le burger, mais Hawa, c'est celui qui a accéléré en fait McDonald's et qui a fait de McDonald's la multinationale que c'est. Par contre, en fait, les deux fondateurs, c'est les frères McDo, en fait. C'est deux frères qui ont bossé très, très fort pour avoir un genre de casse-croûte, en fait, un endroit d'un drive-in où on vient chercher, donc on se gare et on est servi dans la voiture. Ils se sont rendus compte au bout d'un moment que, voilà, ils ont bossé très fort, ils se sont rendus compte que leur vente en plafonnait. Ils n'arrivaient pas à faire plus de chiffres de jour après jour, malgré le nombre de personnes qui arrivent. Et là, ils se sont dit, ouais, là, il y a un problème, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment est-ce qu'on peut réduire les dépenses? Comment est-ce qu'on peut augmenter notre chiffre d'affaires? Donc, ils ont commencé à se poser cette question. Allez, je donne cet exemple, m'intéresse. À la khater, il faut voir aussi, ça aussi, ça peut être. On peut aborder des design qui peut être abordé à différents moments au niveau de la stratégie du business. Vous pouvez aussi avoir un business qui roule, sauf qu'à un moment donné, vous vous retrouvez que voilà, votre chiffre d'affaires, il stagne. Malgré tous les efforts que vous faites, vous n'arrivez pas à vendre plus que ce que vous voulez vendre et que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, l'exemple de McDo vous donne une idée comment est-ce qu'on peut révolutionner ça et changer ça. Donc, les ventes, en fait, ils avaient plafonné. Et ils se sont rendus compte que voilà, ils avaient énormément de choses à leur menu, que le service il est trop long et que souvent les serveuses se trompent en fait parce que elles se font achaler par les clients, elles se font emmerder, tout ça. Donc ils se sont dit ouais, ça c'est vraiment pas un contexte intéressant pour bosser dedans. Les coûts, il y avait énormément de vaisselle qui casse, beaucoup de d'ustensiles qui partent et énormément de coûts qu'ils n'arrivaient pas du tout à résoudre. Et surtout, leur plus gros insight, c'est qu'en étudiant en fait le menu. Ils se sont rendus compte que 87% des ventes se concentrent sur trois articles, qui sont burgers, frites et sodas.
ils se sont dit non, mais pourquoi est-ce que finalement 13% le reste des articles ne rapporte que 13%. Donc ils se sont dit ok, on va enlever tout ce dont on n'a pas besoin, on va enlever tous les articles dont on n'a pas besoin et on va se concentrer uniquement sur ces trois-là. Mais pas juste ça, à la Khatr Bey, ok, on va faire ça, mais aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer énormément de choses. On va passer d'une commande prête en 30 secondes, en 30 minutes, à 30 secondes. Donc, il faut absolument que les gens soient servis très rapidement parce que c'est l'attente qui est la chose la plus détestable, en fait, dans cette expérience-là. En même temps aussi, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que voilà, l'environnement donc attirait beaucoup de jeunes délinquants et tout ça, qui voulaient un environnement prospère pour les familles, pour qu'en fait ça attire un autre type de clientèle qui consommerait plus. Les jeunes, on le sait tous, généralement, quand ils s'installent dans un café ou dans un endroit, ils consomment très peu, mais consomment beaucoup d'énergie, disons. Donc du coup, l'idée, c'était d'attirer plus de familles. Donc en fait, multiplier le nombre de personnes qui achètent et du coup, en fait, multiplier le chiffre d'affaires. Pour faire ça, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû prototyper et tester une nouvelle façon de faire le burger pour vraiment optimiser le temps. Ils ont prototypé et testé sur une cour de tennis comment la cuisine devrait être faite et ils ont mimé, ils ont joué le jeu pour en se disant voilà, un burger, il y a X nombre de secondes pour que ça soit prêt pour cuire, X nombre de secondes pour ceci, X nombre de secondes pour ça. Et ils ont fait vraiment comme une symphonie comme ça, choya, avec quelques itérations, jusqu'à trouver la bonne disposition dans la cuisine pour optimiser la production. Donc, c'est un prototype simple. On a beau aller voir le meilleur architecte au bled et en fait, c'est impossible qu'il nous arrive avec des choses comme ça. Il faut vraiment absolument prototyper et tester très rapidement vos idées et voir en fait comment vous pouvez vous les optimiser parce que vous êtes la meilleure personne placée pour ça. Et le prototypage test est un des secrets essentiels du design thinking. C'est vraiment fail fast, fail often et fail to learn. On est vraiment dans l'échec, dans ce test où on fait des crash tests, où on se met en position de danger pour écarter tout de suite en fait, toutes les options qui ne fonctionnent pas jusqu'à arriver à la bonne option. Donc voilà. McDo, c'est un exemple très simple où on est parti en fait d'une observation, on a fait de l'empathie avec le user, on a fait de l'empathie avec les serveuses, on a fait de l'empathie avec soi-même en tant qu'entrepreneur parce qu'on veut faire plus de chiffre d'affaires et on a essayé de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça, comment est-ce qu'on peut collecter de l'information et comment est-ce, où c'est quoi la chose à changer exactement dans le business et surtout comment y arriver. Donc ouais, après, c'est venu après ça, Mohamed qui dit les frais des offres pour vous inciter à acheter plus, à consommer grand, sans oublier la stratégie de fournir des cadeaux dans le paquet. Ça, c'est venu après avec Ray Kroc. Donc, lui est allé là-dedans. Par contre, en fait, les frères McDo qui sont arrivés avec un produit qui est très bon, très efficace et un concept très de restauration rapide, très maîtrisé, c'est vraiment eux qui l'ont fait. Puis ça, c'est plus comment ils sont arrivés déjà à un produit optimal. Je vous invite à voir le film, by the way, parce que je vous ai dit, c'est vraiment, toutes les étapes de l'entrepreneuriat, et c'est vraiment une leçon de vie. Donc voilà, ça c'était l'exemple de McDo. Ils sont allés jusqu'à designer eux-mêmes leurs propres outils, en fait, pour optimiser leur production, et puis ils ont reculé devant rien, mais ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient, en fait. Donc, après, il y a le cas de Swiffer. Swiffer est un cas qui est très intéressant parce qu'en fait, à la base, Procter & Gamble, en fait, font des produits détergents pour faire le lavage de sol ou de colchaï. Et ils se sont dit, OK, comment est-ce qu'on peut trouver une on peut offrir un produit qui soit meilleur pour le plancher, pour le parterre. Khalina, au lieu de réfléchir tout seul, Khalina, on essaye de comprendre comment les femmes nettoient le parterre et on va les visiter et puis on va essayer de voir en fait comment elles fonctionnent. Ce qu'ils se sont rendus compte en allant visiter ces femmes et en allant les observer, en fait, qu'elles veut venir vous voir en train de nettoyer le sol. D'accord ? Il faut savoir une chose, c'est qu'elles veut venir vous voir en train de nettoyer le sol. Ils se sont rendus compte que lorsqu'ils arrivaient, le sol était déjà propre.
Le plancher était déjà propre parce que ces femmes-là n'osaient pas laisser leur plancher sale pour montrer aux gens comment le laver. Donc, ils le lavaient avant. Et Hedea, c'est une particularité dans l'observation parce que justement, en design thinking, on ne dit pas tout. Hein. Des fois, on ne dit pas forcément la vérité. On est un petit peu en mode Mufach Kabura, on est un petit peu en mode incognito quoi, quand on va faire de l'observation parce que justement, Si on dit trop d'informations à la personne qu'on est en train d'observer, bah, elle va changer son comportement. Alors que ce qu'on veut, c'est avoir en fait un instant très réel et très réaliste. Ceci dit, quand même, ils ont observé qu'en fait, laver le plancher, c'est dirty job. Et personnellement, je déteste laver le plancher, by the way. C'est la chose qui m'emmerde le plus. Dirty job, parce qu'en fait, voilà, t'as les mains dans l'eau sale, c'est vraiment pas sympa. Et en fait, ils se sont rendu compte de comment qui s'est passé quand ils sont allés observer une des femmes qui était là, qui leur a offert un café. Et à un moment donné, l'un d'entre eux il s'est renversé un peu de café sur le sol. Et du coup, elle a pris en fait une napkin et elle a essuyé comme ça très rapidement, puis elle a foutu ça à la poubelle. Ils se sont dit, tiens, c'est intéressant. Regardez comment, en fait, un truc très instantané, très rapide, ce réflexe-là. Et si on utilisait ça? Et ça, c'est un peu un aha moment, d'accord? Les aha moments, c'est des insights, c'est des choses, en fait, qui nous arrivent lorsqu'on voit, on vient d'avoir une information, et on vient de la connecter avec notre cerveau à quelque chose qui nous donne une idée créative, en fait. Les aha moments, généralement, c'est un boba, c'est comme une ampoule. Du coup, ils se sont dit, au lieu de faire un autre détergent, pourquoi en fait on ne révolutionne pas et on ne change pas la façon avec laquelle on essuie le parterre. Donc au lieu que le mop هذيك اللي انت تحطها وتعصرها ودرشنا واحد وكل شيء, خلينا on fait plutôt en fait un truc très simple et facile à faire. اللي هو c'est des lingettes, تاخذهم تركبهم تمسح بهم القاعة. Et en fait, après, vous les mettez directement dans la poubelle sans avoir ni à vous, ni à se salir les mains, ni à mettre les mains dans l'eau, à changer l'eau du seau plusieurs fois, ni quoi que ce soit. By the way, Swiffer, pour avoir été une utilisatrice de Swiffer lorsque je vivais à l'étranger, c'est super pratique, surtout pour des trucs d'appoint. Par exemple, en fait, la maison est plus ou moins propre, mais voilà, on va recevoir de la visite et on a envie vraiment d'un petit coup de cleaning comme ça, juste avant que les gens arrivent, voilà, un petit truc juste après qu'ils soient partis. C'est pas forcément fait peut-être pour les ménages, le grand ménage, en fait, mais c'est fait pour vraiment les ménages d'appoint. Et c'est super pratique, super intéressant. Donc, vous voyez, en fait, si ces gens n'étaient pas allés observer chez les autres comment ils vivaient, s'ils ne leur ont pas parlé, avec l'expérience, ils n'auraient jamais pu trouver vraiment où était le pain point. Le pivot qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voulait partir de comment concevoir un produit, un détergent pour laver le sol. Et on s'est rendu compte finalement que ce n'était pas le détergent qu'il fallait réinventer, mais plutôt la mop, le balai en fait qu'il fallait réinventer. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça nous donne plus d'ouverture aussi, et c'est là où vraiment on s'intéresse au vrai user need. Entre temps, donc c'est à ça que ressemble le Swiffer, si jamais vous ne le connaissez pas. Voilà, et en attendant de passer au dernier exemple, je vais juste faire un petit tour un petit peu dans le chat, qu'est-ce qui se passe. Donc, les séances de focus payantes avec tes bénévoles, les focus groupes, alors en fait, Khalil Ankolo, une des séances que vous pouvez faire, en fait, oui, c'est des focus group avec votre user, mais l'idée, c'est pas forcément de lui demander son avis sur votre produit, mais plutôt de lui demander son expérience sur la chose que vous traitez, sur quoi vous travaillez. Admettons, un système de
informatique pour, par exemple, la gestion comptable. Ben, en fait, vous pouvez poser la question aux gens, comment est-ce que vous faites votre gestion comptable? Et le problème, est-ce que je peux venir vous voir, passer une journée avec vous le jour où vous êtes en train de faire votre gestion comptable? Et en fait, plus vous allez là, à les observer, plus vous allez mieux comprendre, en fait, chez les pain points, où est-ce qu'ils sont en train de perdre le plus de temps, qu'est-ce qui fait la différence maintenant pour eux, qu'est-ce qui est important pour eux, au-delà de ce qu'ils vont vous dire, hein, au-delà de ce qu'ils vont vous dire, il faut savoir qu'est-ce qui est important pour eux. Vous pouvez créer aussi des expériences où les gens doivent faire des choix. Hein. Tu sais, comme un exemple, par exemple, à un moment donné, j'ai eu un accident avec ma voiture, il a fallu que je change de voiture. Donc d'abord, j'ai procrastiné pendant 3 mois parce que je déteste choisir une nouvelle voiture. Pour moi, c'est toujours un casse-tête. Donc pendant 3 mois, je me suis dit, ouais, j'ai pas le temps. Bah, en fait, en plein mois de juillet, j'en ai eu marre de me trimballer dans la chaleur et je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je me décarcasse et que j'aille m'acheter une voiture. J'ai commencé à regarder des choses dans mon budget, sachant que, quand je me disais, ouais, la Wallis Car, elle est super sympa, j'adore. Et moi, en fait, si je devais changer un jour ma voiture, je prendrais une Wallis parce qu'elle est tunisienne et tout. Après, le design, plus ou moins, c'est pas vraiment mon style. Mais je me suis dit, tu sais, j'adore le concept, j'adore l'idée, c'est tunisien. Allez, je crois que j'ai des entrepreneurs que je rencontre où l'argument est par rapport à son produit ou à son service, je crois que c'est 100% tunisien. Mais oui, là, ce n'est pas un argument de vente. C'est bien beau. Zainbi. C'est comme un rouge à lèvres, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'en fait, tu vas tomber amoureux. Du coup, c'est la même chose. Donc, en fait, oui, c'est tunisien, c'est sympa, mais après, ce n'est pas ça qui va faire que les gens vont acheter. Et justement, quand je suis allée voir la Wallis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un paquet d'options dont moi, j'aurais besoin, qui n'existent pas. La chose importante, c'est un système de Bluetooth. Avec le temps que je passe, moi, en voiture, parce que je me déplace énormément pour mes missions et tout ça, c'était très important pour la femme active que je suis d'avoir en fait un Bluetooth pour pouvoir passer mes appels et recevoir mes appels et optimiser tous les temps de déplacement. En fait, j'attends jusqu'à rentrer à la maison parce que la voiture d'avant, je n'avais pas de Bluetooth et justement, je ne pouvais pas forcément parler au téléphone et conduire en même temps. Et pour moi, tant qu'à changer, il fallait quand même monter de grade. Donc, je trouve qu'il y a une petite option de rien du tout qui fait ça. Mais qui peut faire toute une différence parce que c'est une option qui est très importante pour le profil du customer que vous voulez aller chercher maintenant. Après, peut-être que je mets à toi Alice, maintenant ma niche est le type de personnes qu'ils veulent aller chercher. Je pense qu'effectivement, ils cherchent plutôt des femmes qui ne sont pas forcément très actives professionnellement parlant, mais par contre, en fait, qui donnent peut-être plus de place à leur vie personnelle et plus pour les loisirs et des choses comme ça. Mais voilà, Mata, si vous targetez en fait un profil de consommateur, c'est très important de vivre une journée avec ces gens-là et de voir en fait quel est leur besoin. C'est ce qu'on appelle l'empathie. B. Est-ce qu'il y a des questions, des interactions, quelque chose entre-temps par rapport à ça, avant que je passe à mon dernier exemple? Apparemment, non. D'accord. Mon dernier exemple, en fait, c'est un exemple super connu. Et pourquoi je le présente à chaque fois? Parce que je trouve que c'est l'exemple type de la situation où j'ai créé un produit ou un service, mais mon utilisateur n'en veut pas. J'arrive pas à le vendre. Là, je le donne et finalement les gens je suis en train de l'offrir même en freemium et tout ça et en fait les gens ne sont pas en train de l'utiliser. Vraiment, c'est l'exemple type. Je viens de mettre énormément d'argent dans quelque chose que finalement mon utilisateur ne veut pas. Et ça, je pense que c'est le cauchemar de tout entrepreneur. Et c'est ça qu'on cherche en fait à éviter. Alors, donc, en fait, l'expérience du scanner. Du scanner, en fait, c'est GE, General Electric, qui font pas juste des grille-pains et des fours. En fait, ils font aussi beaucoup, beaucoup, surtout d'équipements médicaux pour les hôpitaux. Et en fait, à un moment donné, ils se sont fait demander de concevoir un scanner pour les enfants. Donc, ils ont monté ce scanner, ils l'ont mis en place et ils sont allés voir, en fait, pour voir un petit peu comment était en train de se dérouler l'utilisation de ce scanner-là. Et
là, il y avait une petite fille qui est arrivée avec ses parents, et dès qu'en fait elle est rentrée dans la salle, elle était là, très mal à l'aise et tout ça, et elle est partie en sanglots, et elle a dit non, il vient hors de question que je reste ici, je ne veux pas, et elle est partie en courant. D'accord. Et là, ils se sont dit, ok, c'est quoi ce truc-là? Ils se sont retournés vers les gens du le personnel médical. Ils leur ont dit, ça arrive souvent. Il a dit, oui, ça arrive souvent. Et d'ailleurs, en fait, ça nous arrive même souvent d'avoir besoin de leur faire carrément, de les endormir pour pouvoir faire le scanner en tant que tel. Et d'ailleurs, c'est très pénible même pour nous. Donc, en fait, ils se sont rendus compte que c'est pas du tout le type d'expérience dans laquelle ils voudraient aller. C'est pas pour ça qu'ils ont conçu ça. Ils se sont dit, il va falloir qu'on revoie la façon avec laquelle on fait les choses. Donc, ils ont revu le Empathy Journey Map, donc le journey de l'utilisateur. Vous allez voir, hein, ce mot-là revient tout le temps, l'expérience de l'utilisateur, le Empathy Journey Map. Donc, en fait, c'est vraiment step by step, ce storyboard que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ils ont vu que en fait, le niveau d'anxiété du patient, au départ, quand il rentre à l'hôpital, ça tout va bien, mais plus il se rapproche finalement du processus de l'imagerie, donc du scanner, plus ça va mal. Et jusqu'à finalement, il part. Ça, c'est important parce qu'en fait, ils ont compris que finalement, c'est ici que le problème se passe, Manta. Le problème se passe dans la chambre, avant la chambre. Parce que peut-être que le problème était déjà à l'entrée de l'hôpital et qu'il aurait fallu déjà l'aider là-bas, Manta, organiser ça. Sauf que là, le problème se passe lors de l'entrée dans la salle du scanner. Et du coup, en fait, ce qu'ils se sont dit, bon, on va appeler les enfants et on va leur demander, en fait, de nous dire comment ils voudraient voir ça, comment ils voient ça. Ils se sont rendus compte d'abord que les enfants, en fait, pour s'exprimer et le monde dans lequel ils vivent, c'est un monde de couleurs, d'images, de dessins, d'imaginaire, beaucoup de storytelling. Ils se sont dit, oui, c'est ça que veut un enfant après tout. Ce qu'il veut, c'est jouer, il veut s'amuser, il veut dessiner, il veut rêver. Donc, en fait, et pourquoi on ne transformerait pas cette expérience en fait en une expérience ludique? Et l'idée, c'était non pas de revoir le scanner en tant que tel et de revoir le produit, mais de revoir l'expérience qui est associée au produit. Donc, ils ont fait tout un habillage finalement du scanner et de la chambre de scanner pour que l'enfant y vive une expérience magnifique. Et là, l'enfant, il rentre et on lui raconte une histoire et t'es là. Tu vas monter dans ce bateau, il va falloir faire attention, il ne faut pas que les pirates nous attrapent. Donc, en fait, même le personnel médical, il est engagé là-dedans. Et même le personnel médical peut raconter aussi toute cette histoire-là pour faire vivre à l'enfant une expérience imaginaire qui sort du commun. Et là, on vient de transformer une expérience très anxiogène en quelque chose de vraiment beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympa à vivre. Donc, ça vous donne un peu une idée sur des fois, qui fait vraiment vous packager différemment les expériences, le produit que vous avez déjà en place. Donc, ça, c'est des choses, en fait, à penser. Bien sûr, on prend des cas extrêmes dans ce cas, mais là, pour amener ça à une échelle plus réaliste et plus terre-à-terre et tout ça, là, si comme un exemple, il n'y a rien de pire qu'une interface de logiciel de gestion comptable, justement, ou la Hajak Manhaka, fait par des programmeurs. Avec tous mes respects pour les développeurs qui nous écoutent, mais vraiment, sérieux, là, les amis, vous avez vraiment besoin d'un designer et de UX designer pour ça, parce que généralement, l'interfaçage, il est juste pourri. Et rien que ça, t'as passé 6 heures devant un logiciel dont l'interface elle est pourrie, ça pourrit la vie des gens et ça ne facilite pas du tout les choses. Donc juste pour vous dire, ça n'a pas besoin nécessairement d'avoir toujours des couleurs et des némos partout et des choses imaginaires comme ça. Des fois, en fait, c'est une interface de logiciel peut changer carrément la façon avec laquelle on travaille et l'état d'esprit dans lequel on est. Je pense que tu fais une très bonne transition. On aime bien les couleurs, mais est-ce que tu as des exemples particuliers sur des logiciels IT, justement, où le design thinking a changé l'expérience et ça a changé aussi le succès du produit? Écoutez, Airbnb, Airbnb, Manta, c'est connu, Manta Huma, Airbnb, quand ils ont conçu leur service au départ, il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui sont inscrites, qui ont mis leurs annonces sur Airbnb. Mais là, il n'y avait pas de personnes qui louaient. Et il y avait des gens qui visitaient les sites web et qui partaient. Et à un moment donné, les deux gars de Airbnb étaient assis là et se sont dit, non mais attendez,
c'est vraiment, on fait de la merde, on vient de sortir un truc qui vaut rien. Et là, ils ont commencé à se foutre eux-mêmes de la gueule de leurs produits. Non, mais regarde, Brabé, mais on les comprend, nous, les gens. Même en allant sur le site, les images sont pourries, ça ne donne pas du tout envie de louer. Puis là, ils se sont dit, bah oui, les images sont pourries, les photos sont pourries. Ils se sont rendus compte, en fait, que les gens n'achetaient pas parce que les photos des appartements qui se sont mis sont pourries. Ils se sont dit, et si les photos étaient belles? Et si les photos étaient attractives? Donc là, ils ont pris leur appareil photo, ils sont descendus, ils sont allés voir les gens qui étaient inscrits chez eux, ils ont refait leurs photos de chez eux et ils les ont remis sur le site. Et là, en fait, les commandes ont plafonné. Et c'est là où ils se sont rendus compte. D'ailleurs, Airbnb, jusqu'à maintenant, offre gratuitement le service de photos professionnelles dès que tu t'inscris sur leur plateforme. Dans les pays développés, hein, je suis Tunis. Mais je l'ai vu en France. Ils t'envoient un photographe et ils prennent en photo tout l'appartement et ils mettent les photos. Ils t'aident même jusqu'à faire ta description justement de l'appartement pour que ce soit aussi attractif que possible. Exactement. À la fin, ils se sont rendus compte en fait que voilà, c'est le secret est là. Sans parler des logiciels, les logiciels, je pense que c'est très facile. Maintenant, on peut même faire le test très rapidement d'aller voir en fait des logiciels de gestion qui sont. Allez, on ne va pas pour les solutions en ligne qui sont généralement développées. On ne va pas vers des solutions de développeurs. Déjà, il y a une user experience qui est intéressante et au niveau de l'interfaçage, au niveau les couleurs. La façon avec laquelle les choses sont disposées, on va déjà là-dedans. Maintenant, c'est ce qu'on recherche de plus en plus. En 2020, là où on ne peut plus se permettre de faire des logiciels ou des interfaces qui ne sont pas jolies. On ne peut plus se permettre. Maintenant, à mon avis, avec l'avènement de l'iPhone et du téléphone intelligent, en fait, la barre du UX design, elle est montée très, très haut et on ne peut plus se permettre de faire de la médiocrité. J'ai une question, Mme Donia. Donc, pour se placer dans un contexte de content marketing, par exemple, est-ce que le content design fait partie du design thinking? Question de choisir le type de contenu idéal pour les visiteurs de son site, article, vidéo, infographie. Écoute, Donia, oui, dans le sens où creative thinking, critical thinking, design thinking, ou la content design, ou un truc comme ça, c'est la même philosophie. La philosophie, c'est quoi? C'est que une petite donnée, du contenu web, par exemple, tu peux faire en fait ton contenu web et inviter les users à naviguer sur ton site web et à te dire à voix haute qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils sont en train de faire comme expérience. Par exemple, là, je l'ai fait dernièrement avec un autre. Dans un programme d'accompagnement pour des journalistes. Et une des startups, elle avait son site web qui se voulait offrir une expérience journalistique hors du commun. Donc, on a fait une user test. Je suis allée sur leur site web, j'ai navigué en exprimant qu'est-ce que je suis en train de voir et qu'est-ce que je pense. C'est comme, mais c'est quoi ça? Mais ça amène sous où ça? Oui, mais pourquoi ça c'est comme ça? Il aurait dû peut-être être comme ça. Ah non, mais moi, je pensais que j'allais, en cliquant ici, je pensais que j'allais arriver là. Pourtant, j'arrive à un autre endroit, c'est pas là où je veux aller. En fait, ce que vous pouvez faire pour faciliter le design de contenu, c'est de faire des user tests à partir du contenu que vous avez, avec des vrais utilisateurs. Vous les mettez en face de votre interface et vous leur demandez, exprimez-vous, dites à voix haute ce qui vous passe par l'esprit tout en naviguant sur mon interface. Et là, vous allez avoir des insights, vous allez savoir tout ce qui ne marche pas, ça c'est sûr et certain. Et éventuellement, vous allez savoir aussi ce qui marche. C'est que vous pouvez aussi donner le contenu aux gens, à votre utilisateur, et lui demander si c'était à vous d'organiser ce contenu-là, comment est-ce que vous l'auriez organisé? Et là, vous le faites impliquer en fait dans la créativité. Donc ça peut être aussi une façon. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, à votre question, Donia, voilà, si tu as besoin d'aller plus loin. Il y a quelqu'un qui a levé la main, donc avant qu'on passe au process, mais d'abord, il y a une question. Les questions. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, je vais passer au process pour vous expliquer un petit peu tout ça, comment ça marche. Hazem, donc pour qu'il puisse poser sa question. Hazem. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Oui. Merci à la présentation. Juste une question, le design thinking pour le contexte de project management. Le problème est que
يعمل كما نقولوا كل لي زوبستاكل معناها هي حتى للخدمه معناها انتر تون وقت اللي انت تعمل في لي بروسيس هذوما الخدمه تتعطل شويه وصعيب تابليكيها معناها في شركات سورتو اللي ماهمش فليكسيبل برشا كما نقولوا كيفاش تتعامل مع الحكايه هذيا في شركات اللي بلوز او موان ماهمش ستارت اب معناها ماهمش ما عندهمش اسبري دو ستارت اب كما نقولوا كيف تحكي على project management what type of projects are you managing خلينا نعرف على شلون نجاوب ساعة IT IT d'accord alors en fait الحاجة الأولى ساعة في الIT en fait comment ça devrait se faire normalement en fait par exemple هو réellement l'exercice هذا il devrait être fait من حتى l'étape نتاع l'avant-ventre حتى من l'étape قبل حتى من البروجي يتبيع en fait, hâte un workshop avec votre client. Vous pouvez inviter votre client à faire un workshop ou deux. Et vous faites un workshop avec le design thinking pour mapper un petit peu c'est quoi l'user experience, détecter les pain points, choya. Et avant même de vendre en fait quoi que ce soit, ce workshop-là vous permet déjà de bien cerner les besoins de votre client avant même de formuler une offre. D'accord. Il faut d'abord savoir design thinking. C'est sûr que quand déjà bête au sein de la programmation, au sein de l'implémentation, c'est mon collègue c'est too late, mais c'est pas l'idéal. L'idéal c'est avant même de vendre le projet, à mon avis, avant même de formuler votre offre. En fait, il y a beaucoup d'entreprises en IT qui sont en train de virer justement vers le design thinking. Vous pouvez en fait avoir, c'est quand toute l'équipe elle est formée. Tout du moins une personne de chaque département, une personne me le vente, une personne me le développement, un designer et tout ça. Ce genre de discussion là en fait peut parfois être ça peut ne pas prendre plus qu'une journée quand c'est bien fait et les gens sont habiles ou colchés, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite ou ça peut être en fait en collaboration avec le client et ça peut être très rapide à mettre en place. Dans une entreprise qui n'est pas forcément une start-up, il peut y avoir, ce que je recommande peut-être de faire, c'est de faire un projet pilote. Généralement, quand j'accompagne les entreprises, on peut le faire avec une petite équipe ou deux. Nous avons un projet pilote, bit design thinking. Lors de la formation, déjà, très souvent, nous avons des cas réels. Ils sont formés ou déjà à un cas réel, ils sont formés à 4e ou 5e, c'est un design sprint. Ils chauffent déjà les différentes étapes. La plupart d'entre eux vont choisir, par exemple, certains outils. Sans nécessairement aborder tout le process de bout en bout. C'est sûr que pour aborder tout le process de bout en bout, d'ailleurs je vais en parler à la fin de cette présentation, il y a un mindset bien précis. Ma femme a quand même quelque chose d'essentiel, des essentielles qui sont aujourd'hui, pour la firme elle avance avec le design thinking. Mais est-ce que je peux vous dire, en fait, pour appliquer ça du matin au soir, dans mon business à moi, ça me donne vraiment beaucoup d'agilité, je gagne énormément de temps et j'apprends à une vitesse énorme, phénoménale. Peut-être que l'apprentissage m'arrange fait le hajet et l'inam le faire que le jour, mais dès que par exemple le confinement, il a fallu qu'on vire complètement les formateurs à notre façon de travailler, le design thinking m'a permis très rapidement de virer et d'arriver avec un nouveau concept de présentation et en limitant les dégâts le maximum possible à travers le prototypage test ou l'empathie justement et se mettre à la place du user à chaque fois. Donc là, c'est un mindset bas, c'est vraiment bas dans ta façon normale de faire les choses. Qui m'a trop par exemple nettoyer son bureau tous les jours avant de partir, ça prend une 15 minutes de plus et ces 15 minutes la programmation qui fait que je suis dans la vie. نقول لك انا راه كان دخلها في حياتك اليوميه ما عادش تولي تنحي لي 15 مينوت من كل يوم ساعه من وقتك و ميم طون لوبتيميست تالمون ساعتين الاولانيين نتاع من غدوه الصباح اللي فينالمون تلقى ال 15 مينوت هذيك سي لو ميور انفستيسمون اللي تنجم تعملو دونك لو ديزاين سيك سي بلوتو كوم سا كي فو لو بيرسيفوار alors si vous voulez l'implémenter dans votre structure moi je vous dirais commencez avec un projet pilote faites le comparatif entre un projet pilote de design thinking ou un projet mahouche de design thinking en termes de nombre de jours et d'efficacité, mesurez zouz qad dech yamlou et après décidez si le design thinking c'est quelque chose qui est pour vous ou pas.
Comment aborder une étude de projet de A à Z? Quelles sont les étapes à suivre? Très bien, merci Mohamed. Tu me donnes comment rédiger un cahier de charge. Après, on est moins dans le cahier de charge. Mais je vais vous présenter un petit peu comment ça marche, d'accord? Donc, le process de design thinking, en fait, c'est un process en 5 étapes. Donc, la première, c'est l'empathie, ou elle, c'est observe, ou elle, understand. Je me mets à la place de mon utilisateur pour comprendre ce que cette personne-là, elle vit. Pour que par la suite, une fois que je comprends ce qu'elle vit comme réalité ou chenou, le quotidien, et c'est quoi les difficultés auxquelles elle fait face, ça me permet de définir c'est quoi son besoin et donc du coup de définir quelle est l'opportunité de design que je vois là. Une fois que j'ai défini mon opportunité de design, je génère plein d'idées. Mais une idée, c'est bien beau, mais ce n'est pas encore une solution tant que je ne l'ai pas prototypée, je ne l'ai pas testée et qu'elle n'a pas prouvé sa capacité à résoudre mon problème. Donc, du coup, mais très rapidement, je prototype et je teste avec mon utilisateur avec lequel je reviens en empathie. Où je me mets à sa place, où je redéfinis qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer. Et cette itération de cycle-là, en fait, qui fait le design thinking et qui fait la magie du design thinking. Donc, en fait, c'est le user qui est impliqué à différents moments. Il est impliqué dans l'empathie, dans l'email, le test, ou l'idéal, c'est l'ideation aussi. Donc, du coup, et c'est cette répétition-là, très rapide. C'est le process de façon rapide. Il vaut mieux faire des petites demi-journées en fait, par rapport à chaque chose plutôt qu'en fait, de passer énormément de temps dessus. Quand même, je vous présente un petit peu le concept du design centré sur l'humain parce qu'en fait, vous allez aussi entendre parler de ça. À côté du design thinking, on parle aussi beaucoup du design centré sur l'humain. C'est quoi? En gros, c'est un mindset, c'est une révolution. Il y a des gens, à un moment donné, qui se sont dit, pourquoi est-ce qu'on design des produits et on essaye de convaincre les gens de les acheter ou les hommes, ils sont bons pour eux? Pourquoi on ne voit pas de quoi les gens ont besoin? Et arrêter de faire des produits, essayer de convaincre les gens que c'est ce que leur prend. Donc, le design centré sur l'humain, c'est un design qui vise d'abord à partir de l'humain qui est en face de nous, à le comprendre. Donc, on va s'inspirer énormément de cet humain-là, on va l'observer et on va voir de quoi il a besoin. Et après, en fait, on va faire de l'ideation pour répondre à son besoin jusqu'à faire l'implémentation, prototype test, c'est l'itération du prototype test. C'est quoi la différence? La différence, c'est que, par exemple, vous voulez designer une bouteille d'eau, d'accord? Vous travaillez pour une compagnie, la Sabrine ou la Safia ou la whatever, et on vous demande de designer une nouvelle bouteille d'eau qui soit plus agréable à tenir dans la main. Là, vous allez utiliser le design thinking pour ça. Parce que vous allez faire de l'empathie avec les gens qui tiennent une bouteille d'eau dans la main et vous allez voir en fait c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent. Wartesh, on a besoin de tenir la bouteille d'une certaine façon et pas d'une autre. Qui fait le bouchon, quand tu l'ouvres, tu ne trouves pas ce qui fait que tu as trash, 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 tu as trash. Par contre, quand on est dans le design centré sur l'humain, là, on va observer en fait notre user d'une autre façon. C'est quoi, de quoi il a besoin, mon user, en réalité? Belekchi n'a pas besoin du tout d'une bouteille d'eau. Belekchi a besoin d'autre chose, en fait. Il n'a pas besoin d'une bouteille qui soit ergonomique. Peut-être qu'il a besoin d'un mécanisme mais qui peut être un contenant pour l'eau. Donc, le design centré sur l'humain, on l'utilise lorsque le produit final, mais ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer la vie de ces gens-là. Par exemple, vous avez des clients à qui vous êtes en train de vendre un certain service. Les clients disent que je capitalise ou je développe un autre service ou un autre produit pour le même client. C'est quoi son besoin? Vous voyez la différence? Déjà, Inès, par contre, tu la gagnes en tant que client, tu fais des designs centrés sur l'humain, des designs centrés sur Inès, donc en fait, ça te donne des idées. Par contre, quand tu veux vendre Inès, Inès ne veut pas que tu achètes de toi, elle veut que tu achètes de toi, elle se plaint, parce qu'elle ne veut pas que tu achètes le design thinking. Donc c'est un petit peu ça. Ou les dames qui m'ont dit, mais voilà, ce qui est important à retenir, c'est que oui, il y a des solutions qui sont désirables, ou les créatiques des solutions qui améliorent la vie des gens.
tout simplement. C'est cette dimension éthique ou très social d'ailleurs. En fait, on parle des gens qui sont très sur l'humain. Quoi qu'il en soit, personnellement, pour moi, c'est la combinaison des deux. Dans la plupart du temps, juste en garde en background, est-ce que vraiment ce que je suis en train de concevoir, il améliore vraiment la vie des gens ou elle est. On peut concevoir des choses, qu'on peut concevoir des choses qui nuisent à la vie des gens. Donc, il faut juste garder cette dimension éthique en tête. Donc, les étapes. Alors, la première étape, c'est l'empathie. Pour faire de l'empathie, il y a trois façons d'observer et trois façons de faire de l'empathie. La première, c'est l'observation d'une personne. Tu as un groupe bien précis. Les secrétaires, les SDF, les femmes au foyer, les chauffeurs de taxi. D'accord ? Quand vous avez un target group bien précis, bien délimité, vous allez vers l'observation d'une personne. Tu as comme un bar qui fiche. Lorsque vous avez un target group qui est très manière hétérogène. Par exemple, en fait, les visiteurs font shopping mall. Il y a trop des familles, il y a trop des jeunes, il y a trop des couples, il y a trop différentes personnes avec différents besoins. Par contre, ils collent presque, ils vivent plus ou moins maintenant la même expérience, les mêmes étapes. Maintenant, je reviens du supermarché, puis je me suis d'accord. Le supermarché, il fait différentes personnes avec différents besoins, mais les étapes sont plus ou moins les mêmes parce qu'ils sont tous en train de vivre la même expérience. On y va vers ce qu'on appelle le Empathy Journey Map. Et là, des fois, femme a des contextes qui sont complexes. Complexes, c'est-à-dire femme a une variation d'intervenants, de personnes qui sont concernées, une variation de personnes qui interagissent avec les personnes concernées. Hatta le contexte bidou kullu huwa yitbaddal, il peut être complètement différent. Donc, en fait, là, on combine bacha hajet. On fait de l'empathie, maintenant on se met à la place des gens, on fait des interviews, on sollicite les experts et on s'inspire aussi de ce qui se fait ailleurs. Pensez à l'idée de la waiting experience, à l'hôpital. À l'hôpital, on a le patient, le personnel médical, le personnel soignant, on a le personnel administratif, on a l'accueil. On a tellement d'intervenants. Puis le lieu, le lieu, il est tellement complexe où les gens viennent pour différentes raisons. Donc, il vaut mieux observer le contexte. Maintenant, juste observe une personne ou elle a une expérience. Donc, quand on observe une personne, qu'est-ce qu'on fait? On essaye en fait de se mettre à sa place. Maintenant, l'empathie, l'abbé dit pense en fait qu'il faut devenir triste si elle est triste. Non, en fait, on n'a rien à faire. Moi, je n'ai rien à foutre, mais en fait, il faut comprendre pourquoi la personne elle est triste, à quoi elle pense quand elle est triste, qu'est-ce qu'elle entend qui la rend triste, qu'est-ce qu'elle voit qui participe à sa tristesse, qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle est, qu'est-ce qu'elle est en train de faire et comment elle se sent. Et plus en fait, j'essaye de comprendre ça derrière, plus je suis capable de me mettre à sa place et donc de me dire « Ah, mais finalement, cette personne-là, elle est triste parce que ça, c'est son objectif qu'elle veut atteindre. Et en fait, voici l'obstacle qui ne lui permet pas d'atteindre. » L'objectif de l'empathie, c'est d'arriver à trouver « what user needs ». باش تعرف what user needs يزمك تعرف هو وينه كيفاش حاس روحه وين يحب يمشي et qu'est-ce qui manque entre les deux tout simplement donc c'est ça l'empathie essentiellement et c'est ça la formulation يزمك تخرج بها وقت تعمل des interviews مع اليوزر بتاعك ديما de comprendre شنو هي l'expérience اللي يعيش فيها هو شنو هو l'objectif نتاعو وين يحب يوصل et qu'est-ce qui l'empêche d'arriver à ça من بعد حاجه importante à garder en tête donc le design راهو il est visuel. Quand on parle de design ou de design thinking, c'est visuel. Donc, make it visual. Donc, entre autres, l'empathy journey map, pour que tu aies fait l'empathy journey map, tu as une série de choses dans le supermarché, par exemple, pour optimiser son expérience dans le supermarché. Ben, en fait, dessinez-la. Dessinez-la, donc en mettant les différentes étapes par lesquelles elle passe, les différentes émotions, qu'est-ce qu'elle est en train de se dire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir décortiquer step by step et arriver à détecter oui, comme une opportunité de design, une opportunité d'amélioration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Empathy Journey Map qui nous permet de retracer une expérience client. La dernière technique d'observation, enfin la dernière méthode d'observation, elle est faite à plusieurs techniques d'observation, c'est qu'il faut savoir observer maintenant de différentes façons combinées par chaque chose. Entre autres, je me suis dit, un petit offre, tu me suis dit, tu observation, tu me suis dit, 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 de la même façon que quand je suis dans une communauté, par exemple, de gens qui sont des Africains, de couleur, je me suis dit, tu 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 me suis dit,
ou blanc معناها وما يحكيش اللغه نتاعهم en fait leur comportement va changer de la même façon que un client نتاعكم plus concrètement معناتها dès que un petit consultant تدخل في شركه وظهر لي انت consultant ou جاي من برا راهو l'information اللي باش تاخذها ديما elle va être biaisée ou erronée donc ماذا بيك soit تفورمي حد à l'intérieur de ton entreprise client باش هو يعمل l'observation ou il te remonte l'information والا انت تعيش معاهم assez حتى لين ينساوك تدخل في المجموعه complètement tu te fonds dans la masse pour que tu puisses vraiment récolter l'information comme il faut. Mohamed, est-ce qu'on se met dans la place de l'autre ou bien on étudie des autoprofils précis de sujets ou bien poser des hypothèses à étudier pour analyser après en groupe? Les trois sont possibles. Et là, je te dirais, en fait, le maximum que tu puisses faire, c'est tant mieux. Il y a des situations où, si tu te mets à la place de l'autre, على قد ما تحط روحك في بلاصتو في الانفيرونمون نتاعو وعلى قد ما تشوف حاجات اللي انت ما شفتهمش اوترومون ساعات شويه من زمان سفيره حط روحك في بلاصه سكرتيره شويه من زمان وهي في بلاصتها واعمل لك الفي ما في هذيك ما تخدم معاها شويه ولا كولابوراسيون تشوف كيفاش ديجا يطلعوا لك برشا دي انسايت اتيدي دي اوتو بروفيل ولا تعالي تلعبي تقولهم اجي احكي لي على الاكسبيريونس نتاعك فهمت اي لي زيكوتي ان فيت افيك انتيري سان لي كوبي اي سان جوجمون سي هايبر انستركتيف. Poser des hypothèses à étudier pour analyser après en groupe, kif-kif, généralement on fait design thinking, on arrive toujours avec des hypothèses de départ, des croyances, sauf qu'on se donne le droit de les revoir et, peut-être, et de se dire que peut-être qu'on s'est trompé. D'accord? Donc voilà. Il y a plusieurs techniques que je vous présente ici. Toutes ces techniques-là peuvent être combinées dépendamment de ce que vous avez à observer ou sinon le sujet. Enfin, il y a des sujets qui sont sensibles, qui sont très difficiles à observer. Dépendamment de la chaîne. En même temps, voilà, si vous n'avez pas accès à votre public cible, c'est que peut-être qu'il vaudrait mieux changer de boulot, en tout cas de projet. Ils aiment comme tard le public cible comme il faut. Parfois, je vois des gens venir, je veux designer pour des gens qui sont dans le haboussait. Mais il y a des gens qui sont dans le haboussait, qui sont dans le haboussait. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas de sens. Ils aiment quand même, tu sais le quotidien. Ceci dit, en tout cas, tu manques d'informations. Il y a les livres, il y a les documentaires et les films qui nous permettent aussi d'avoir énormément d'informations et d'aborder un sujet, d'avoir au moins le minimum de base. Les films et les témoignages ou les rapports nous permettent vraiment parfois d'aller chercher des informations qui sont très difficiles à obtenir. Les jeux de rôle, je me mets dans une situation où il faut que nous jouions à la scène. Et là, par exemple, on voulait designer une autre expérience employée ou une autre expérience de client. Pour voir déjà c'est quoi l'expérience client qui est dirigée dans le hanout. Et bien, en jouant la scène, le client qui est entré, il l'accueille, qui est entré avec lui, où il est entré, où il rien qu'en revoyant ça et en jouant en fait, cette scène, tu te rends compte tout de suite déjà où une femme a plein de failles et où est-ce qu'il y a aussi des opportunités d'amélioration pour ce service-là. C'est hyper puissant. Maintenant. Le jeu de rôle, c'est un truc tout simple, tout bête, et pourtant, Manta efficace à tous les coups. L'interview avec l'expert est toujours très intéressant. Après, faut choisir c'est quoi un expert. Manta, ou un expert de quoi. Manta, donc, quel sujet. Manta, parfois, une mère au foyer, c'est un expert fils sujet moyen. Par exemple, comment préparer des goûters pour ses enfants. Mais aussi un nutritionniste peut être aussi un expert fils sujet vegan. D'accord. Donc il faut déterminer je suis l'expert, mais vous faites aussi l'interview. L'expert, il est supposé vous apporter des réponses très claires, très scientifiques et très straight to the point. Il y a un look pour compléter l'observation dans le comportement de l'autre. Il y a le concept de vie ma vie, tu te mets à ma place, et j'ai vécu ma vie, j'ai mis un hire de tout ce que je fais, et j'ai dit qu'il y a une tâche de HKZ, et j'ai dit comment ça s'est passé. D'ailleurs, en fait, by the way, rien que il suffit que votre frère ou votre sœur vous passe ses enfants à garder un après-midi de temps et à votre femme, des fois, elle vous laisse les enfants et elle sort avec ses copines et là, vous dites, wow, comment tu fais du matin au soir avec les enfants? Donc, vie ma vie, en fait, c'est vraiment super puissant. Une fois, en fait, qu'on a collecté tout ça, on arrive à la définition du problème. Donc, en fait, on a collecté beaucoup d'indices. Qui m'a fait chkabour, on a dit, on a fait les expériences, il y a ça. Donc, on collecte énormément d'indices, on apprend des choses, et c'est là où, vraiment, on va définir, en fait, c'est quoi le problème. Définir le problème, c'est-à-dire sortir avec la phrase,
l'utilisateur a besoin de parce que. D'accord? Donc, et c'est là où il y aura des aha moments, des choses que, ah, mon Dieu, il m'a fait belish bi, haki, haotalat haka. D'accord? Et c'est, l'objectif, c'est d'arriver justement, how l'user m'tiri winu, how qu'est-ce qu'il veut attendre, et voici ce qui manque. Donc, l'utilisateur a besoin de ça parce qu'il lui manque ça. D'accord? Donc, c'est toujours ça, Matredekahawal, qui nous permet, en fait, de faire un design de produit ou voilà, de service qui est adéquat et qui correspond, en fait, aux besoins. Alors, Mohamed Tafiq, le client est roi, c'est le consommateur, c'est le grand expert. Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que dans le design centré sur l'humain, nous sommes ouïes, c'est le client. Mais en même temps, nous sommes ouïes, en fait, avec Damakai, Blixi, Moussi, Zabala, Khadri, Habik, Zabali, Karaho, ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en fait, on ne dit pas toujours la vérité. On ne dit pas tous la vérité. Maintenant, des fois, en fait, on va se dire, oui, ben moi, trop loin, par exemple, dans quelle telle situation, comment tu aurais réagi? Voilà, d'habitude, comment tu fais? Ok, je fais ça, je recycle chez moi, ou c'est important pour moi le recyclage. Comme si tu es man, harin, tu te l'as mis à l'escalage. Donc, en fait, le client, effectivement, il ne sait pas forcément d'abord exprimer ses besoins. Il pense qu'il est en train d'appliquer un certain comportement, mais en réalité, il n'est pas en train de le faire. Donc, c'est important d'avoir deux types d'observations. Une observation passive, en fait, et plutôt distante. Oui, je me mets à sa place, je vis avec lui, des choses comme ça et tout. Ou une observation active, vraiment, on est dans l'interview et on est dans la conscientisation. Ainsi comme un exemple, à un moment donné, on se posait la question pourquoi des gens annulent des fois la formation à la dernière minute. On a tendance chez Commit à faire des formations prototypes dans les contests avec les clients. Et ces formations prototypes-là sont gratuites. Maintenant, les gens ne les payent pas. Mais khalsonech ala khatr bach njarbou alayhom, make sense. Et en fait, il y a des fois des gens qui ne viennent pas. Donc, pourquoi les gens ne viennent pas? Eh bien, on a fait l'expérimentation, on a vécu Ahnabid dans la situation et on s'est rendu compte avec différents scénarios que ça peut nous arriver d'annuler lorsque en fait, certaines situations se présentent, même si on pensait que c'est impossible, on annule, on est engagé ou quand on s'engage, on y vient. Mais en fait, non, on s'est rendu compte que non. On aurait tendance à annuler lorsqu'on est mis dans cette situation-là. Donc, en fait, merci, Hége, oui, l'observation objective et l'observation subjective. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que fait de l'observation, c'est très important de garder en tête ce que les gens disent n'est pas toujours vrai. Et ce n'est pas pour mal faire, mais on doit aller au-delà de ça. Donc, l'idéation, c'est vraiment la génération d'idées. Une fois qu'on a maintenant un besoin très clair, voici mon utilisateur, voici ce dont il a besoin et pourquoi il a besoin de ça. Donc, en fait, on part dans l'idéation, dans la génération d'idées. Il faut tenir une chose, c'est que la première idée n'est jamais la bonne. Le brainstorming, là où il doit être dirigé, donc à quel point of view, avec the user needs, because il est très important, c'est là où vraiment on excelle en matière de créativité. Et puis justement, définir le problème, the user needs, because, c'est une chose. Maintenant, trouver c'est quoi les solutions qui peuvent le permettre d'atteindre son objectif, c'est autre chose, c'est une autre étape en soi. B, par exemple, en fait, quand on est dans l'idéation, il peut y avoir différentes façons d'arriver avec des idées. Par exemple, le trou lentiment. Vous avez fait une recherche, vos employés vous disent on a besoin d'un espace de travail approprié pour plus de coopération. Bon, hey, normalement, ce n'est pas un point of view très clair, hein, mais un besoin d'espace approprié pour plus de coopération, quel type d'espace? Est-ce que j'ai besoin d'un espace comme ça pour plus de coopération? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire par coopération et par espace? Ou là, est-ce que c'est ça qu'ils disent? C'est vraiment plutôt une table, en fait, et des chaises, et plutôt cet aspect convivial d'échange et tout ça. Ou là, est-ce qu'ils sont en train de parler plutôt d'espaces comme ça, de coopération, donc des espaces de créativité, des workshops, où nous les murs et tout ça? Ou là, est-ce que pour eux, l'espace de coopération, c'est que justement, il y a plusieurs corps de métier où ils doivent coopérer sur une même plateforme, et du coup, comment est-ce qu'ils peuvent se compléter? Donc, vous voyez qu'il fait... Maintenant, quand on dit un espace plus approprié de coopération, ça peut vouloir dire bar shahajet. D'accord? Donc, c'est pour ça que les mots huni ram sont des concepts. Faites attention en design thinking, en fait,
Dima, on essaye de rendre ça visuel. Je n'ai qu'une manière de le faire. Qui trouve les coopérations, chez manière coopération, ande. Qui trouve un espace, chez manière un espace, ande. Qui trouve les on a plus d'efficacité, chez l'efficacité, ande. Donc, essayez toujours de vous arrêter à chacun des mots pour comprendre c'est quoi le concept en fait qu'il y a derrière dans la tête des gens. Ensuite, donc une fois qu'on a des idées, bah écoutez, une idée qui m'a retenu comme c'est bien beau, mais tant qu'on l'a pas prototypée et testée, ça reste toujours juste une très très bonne idée, mais c'est peut-être pas une solution encore. Pour la transformer en une solution, bah on fait les prototypes. Par exemple, on essaie les mock-up pour une application mobile. Ça peut être un prototype physique ou carrément on simule un petit peu à quoi peut ressembler l'engin ou la chose ou le produit avec le minimum de crafting comme des enfants. Ou alors en fait on joue la scène, en fait on fait des costumes, on joue le jeu, ça aussi c'est un prototype où vraiment on crée une scène dans laquelle on peut expérimenter ça, et à la fin on passe au test. Le test en fait c'est qu'on se met à la place des gens, parce que justement il y a une grande différence entre les clients, ceux qui payent pour la chose, et l'utilisateur, ce qu'il voit. D'accord. Donc, c'est vraiment se mettre dans la peau de votre utilisateur et voir qu'est-ce que Hua il voit, qu'est-ce que Hua il vit comme expérience au-delà en fait de la personne qui achète. Le user test en fait n'est pas une opportunité pour demander à la personne qu'elle produit un ajbou ou un ajbouche. C'est tout simplement de voir comment il utilise mon produit. Concrètement, qu'elle en a dit comme tofé halio, qui fait ce que tofé hadik. كل واحد منا كيفاش ياكلها التفاحه فما شكون يقصها على اربعه فما شكون يقرشها ديريكت فما شكون يقشرها فما شكون يقصها ان بيتي كوب كل واحد وكيفاش ياكلها هذه تفاحه ما بالك انت بالبرودوي ولا السيرفيس نتاعك معناتها سي تي كرو انت كليا اون سول يوتيليزاسيون ا طون برودوي ولا طون سيرفيس تي ترومب خاطر حتى التفاحه معناها وفي كونتكست معين التفاحه كنزيدك عليها ان كوتو مش كيما قلناتيها لك سون كوتو. Donc, en fait, c'est très important, l'user test, si vous donnez votre produit ou votre service à votre utilisateur, vous la fermez et vous voyez comment est-ce qu'il l'utilise. Mais rien, ma t'as bien fait un fil à ta chaîne. Tchali, wahdou, et kassar rasou, tu peux que je suis à malha. Ok, c'est pas clair pour lui, c'est que votre produit n'est pas bon parce que votre utilisation, elle doit être intuitive. Et c'est là que vous allez observer et vous allez apprendre de votre utilisateur comment concevoir un produit plus intuitif à utiliser. Donc voilà, les étapes en fait de design thinking pour répondre à la question de Hazen tout à l'heure, qu'est-ce que ça requiert en fait finalement pour pratiquer le design thinking. Donc la première des choses, c'est un environnement sécuritaire. Je vais aller à un environnement sécuritaire, c'est le droit de proposer, le droit d'échouer et le droit d'implémenter. Je vais aller à vous êtes dans une entreprise où déjà vous n'avez pas de place pour proposer des idées. Si échouer pour vous et faire des erreurs, ça peut être fatal et vous pouvez perdre beaucoup de points. Si vous n'avez le droit de rien implémenter, sauf si quelqu'un matérialise votre supérieur hiérarchique, il vous y a un N plus 1 ou le N plus 2 ou le N plus 3 à qui sont validés ou col virgule, fait col place. Là où le design thinking, c'est impossible à mettre en place les structures. Ils ont comme une équipe formée en design, en design thinking. On ne s'improvise pas là-dedans. Il y a au moins une formation de base qu'il faut avoir. Et c'est une formation de base, c'est une formation basée sur l'expérience. Honnêtement, un cours en ligne ou à la Hajak Manhaka, à moins de vraiment utiliser des outils bien précis, ou de voir des tutoriels, mais réellement pour acquérir le mindset, il faut que vous viviez l'expérience au moins une fois avec une bonne formation. Et après, en fait, vous êtes capable d'implémenter ça et d'aller avec ça plus loin. Et surtout, pour finir, un management flexible qui permet l'itération. En Madaroni, il faut être accompagné d'un manager qui te permet. Mais c'est le chatine haja grossière qu'on voit à quoi ça ressemble et qu'on la retravaille, Hataline, en fait, ça devient meilleur. En fait, voilà. Donc, en gros, le design thinking, j'espère que ça vous a donné des idées. Et mais personnellement, si j'ai une seule chose à vous recommander ou une seule chose à retenir de tout ça, ce serait le Empathy Journey Map. Gardez en tête ce storyboard qui permet de résumer l'expérience client. Et gardez en tête ce storyboard, comment il peut être une source d'inspiration et d'information pour vous. Voilà, donc moi j'arrive à la fin. Merci Aïcha Krijel, ça fait plaisir.
Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, ou alors si vous avez, on a encore 10 minutes, je pense, pour peut-être des choses plus, comment dire, des questions plus précises, en fait, plus orientées vers votre besoin. Alors, je vous écoute. Très bien, je ne sais pas, je vais attendre de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Sinon, Anna, s'il n'y a pas d'autres questions, je te demanderai juste de partager avec nous, Kanan, des anecdotes avec ce que tu aurais pu faire avec des startups ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup parmi ceux qui nous suivent qui sont des entrepreneurs qui se lancent ou voilà, qui font évoluer leurs produits. Et en général, c'est des produits qui sont des applications, des sites de e-commerce, des trucs comme ça. Donc, les femmes à Hajet, des leçons à retenir, des réflexes à avoir, des choses à ne pas faire. On est preneurs. Oui, je vais commencer par partager l'expérience en fait du startup que j'accompagne en ce moment, donc qui fait en fait un logiciel de gestion pour les comptables, pas un logiciel de gestion de comptabilité pour le client, mais plutôt pour les cabinets comptables. Et en fait, le monsieur, donc il a lancé il y a 2 ans. Il vend son produit, mais il est quand même venu pour l'améliorer et tout ça. Il s'est rendu compte, Manda, durant l'incubation et la formation des ANSI, qu'il en fait, Manda, si on avait fait tout ce travail-là avant, Manda, ça nous aurait pris. Manda, honnêtement, on aurait évité de se retrouver au bout de 2 ans avec ces questions-là à revoir encore. Manda, ce que je veux vous dire, c'est que faites-le le plus tôt possible. Ne pensez pas, on pensait aller vite, ou on améliore, mais on se rend compte que si on avait pris le temps de faire ce travail-là comme il faut, à la jema'atine ou à la tlitha, et d'être vraiment accompagné, ça nous aurait évité énormément de temps par la suite, en fait, en production et en correction surtout. La correction, aujourd'hui, la chose que tu n'as pas fait aujourd'hui, tu as 100 fois plus après un an. Donc, dans un an, quand tu veux que tu fasses la chose que tu as fait. Par exemple, des startups en fait, que j'accompagne sur des produits qui sont hyper innovants. Et en fait, en faisant leur étude de marché, ils se sont rendus compte que c'est très simple, ce qu'ils veulent mettre en place est tellement mazel mahouch moujoud, il y a une chose autre qu'avant, تكون موجودة ساعة باش هما ينجموا ils offrent leur service par la suite. Donc ça c'est important aussi de s'en rendre compte. C'est bien d'être dans l'innovation, ça on est peut-être trop en avance par rapport au marché, où il y a peut-être une éducation de marché à faire, ou alors on se rend compte que le marché n'est pas mature. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place en amont pour vraiment arriver finalement à vendre votre produit après. Donc, il y a des insights qui vous permettent de savoir, est-ce que votre produit il est prêt à être accepté tout de suite? Si oui, dans quelles conditions? Il vous permet d'éviter les erreurs. Ça vous permet aussi, en termes de teamwork, surtout, de la vision, pour avoir une vision commune du projet. C'est ça aussi qui est génial, c'est quand vous avez une équipe, faire du développement, faire de la vente, faire du marketing, ou faire un responsable client et tout ça, de mettre tous ces gens-là, le chargé de projet, quand tout le monde en fait voit, Manta collabore avec une approche de design thinking et que tout le monde a la même vision du projet. Et quand on a tous la même vision du projet, les conversations sont plus intéressantes, elles sont plus courtes et en fait les choix de stratégiques deviennent beaucoup plus simples à faire. À la fin, Manta, je vais faire café à Moulokhrin, c'est des exécuteurs, mais tout le monde est en train de voir le produit ou le service en tant que tel. Est-ce que vous avez des recommandations comme des ouvrages, des articles, des liens? Merci. Et comment protéger son design MVP, maquette, prototype avant de lancer dans le marché national, international pour éviter l'imitation et limiter la contrefaçon? Je vous dis. Honnêtement, pour ça, je viens d'une autre école. Hein. Pour moi, c'est. Observez-le. Regardez-le faire et inspirez-vous de ses erreurs. Je pars du principe, le Oulé Nidim, il a le mérite de faire toutes les erreurs que les autres ne feront pas. Donc, une femme a vraiment il l'a mis en place, il a commencé à la concevoir. Alors, observez-le et marchez à sa traîne. Alors, tu sais, il est chou, il échoue, il échoue, il dit, l'accélération, à la limite. Mais je suis désolée pour ça, moi je suis pas la bonne personne, je suis pas du tout dans ce mindset-là. Les brevets, ouais, je sais pas. Quand on est dans le prototypage, test et tout ça,
Après, ça dépend de quel type de produit et de service on parle. À part vraiment des choses bien précises et très scientifiques qu'on peut déposer en brevet, le reste, la plupart des choses, je dirais, c'est le time to market. Soyez le premier, communiquez très rapidement et faites-le vraiment très vite et évoluez tout le temps pour produire. Juste, je peux rebondir sur ça. On ne peut pas breveter une idée. On ne peut breveter qu'un procédé industriel en général. Donc, il faut avoir créé non seulement son prototype, mais en général même son produit et protéger Wart avec un brevet s'il est vraiment innovant. S'il est vraiment innovant, surtout. Est-ce que vous avez des recommandations d'ouvrage? Voilà, je trouve, Anna. Ça dépend de ce que vous voulez lire. Est-ce que c'est des case studies? Est-ce que c'est de la méthodologie? Est-ce que c'est des process? Ça dépend de ce que vous cherchez. Moi, ce que je vous dirais, il y a déjà sur Google beaucoup de choses. J'adore. Chaque sujet, une recherche, il y a beaucoup de choses en ligne. Donc, faites le lien avec votre produit ou votre service. C'est quoi votre produit, mais vous pouvez taper le nom de votre produit avec une approche de design thinking et vous allez voir en fait tout ce qui va sortir comme exemple et comme case studies. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Je n'ai pas un ouvrage en particulier, à la khatr, il y en a plein, honnêtement. Il y a déjà un ordre de la bibliothèque, au moins j'ai 10 octobre, sachant que je suis très conservatrice au niveau des livres, mais genre les nesseries Kolchaï à tort et à travers. Donc, voilà. Des ouvrages qui vous ont marqué pendant votre carrière. Je suis autodidacte et en fait, j'ai appris avec le terrain. C'est qu'à chaque fois que j'ai envie d'apprendre quelque chose, je me suis là où j'ai à l'internet et je me crée une opportunité pour le tester. Donc, honnêtement, ce que je vous dirais à Taufir, c'est vraiment prenez un sujet, un outil qui vous intéresse, ramassez une bande de copains, 3-4 copains, et prenez un après-midi de temps et dites-leur, on va apprendre à faire ça. Et mettez un case study. Et croyez-moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est la meilleure école, c'est comme ça. Maintenant, il y a plein de livres. Je regarde, un livre ou deux. Alors, il y a ce livre-là, Growth Book, qui est en fait The Designing for Growth, un magnifique book. C'est un livre qui est assez intéressant, avec les outils MTR où ils sont assez simples. C'est vraiment une toolbox. Heda, c'est une bible pour les start-upers. Pour moi, c'est essayer de vous l'approprier. Value Proposition Design. Donc, ça link beaucoup avec le design thinking, en fait. Pour moi, c'est un must-have. De bout en bout, d'un coup, c'est un bibliothèque. À chaque fois, tu pourrais en avoir besoin. Et récemment, il y a ce bouquin-là qui vient d'être édité. Donc, The Design Thinking Toolbox. Ou forme de design thinking playbook, qui est le complément de la clé BDA. Alors, ce qui est génial, c'est le design thinking toolbox by Willey. Ils ont fait une consultation internationale. J'ai une partie de cette consultation-là de tous les design thinkers. Ils leur ont demandé c'est quoi leurs tools préférés, comment ils les utilisaient. Et en fait, ce qu'ils ont regroupé là, c'est des différents outils et techniques de design. Avec la vision des experts qui peuvent utiliser, ou quand ils les préfèrent, ou quand ils sont appropriés, ou quand ils ne le sont pas. Donc, c'est vraiment une lecture encore plus poussée. Ce n'est pas juste des tools, mais c'est vraiment avec l'œil d'expert, avec des recommandations que je trouve. Personnellement, c'est The Book. Je voulais faire un outil de toolbox pour que je puisse faire un outil de toolbox. Donc, voilà. Le processus de l'inspiration qui vient avant, pendant, après l'étude faite en la réalisation de design préliminaire. Le processus d'inspiration qui vient avant, pendant, après l'étude faite et la réalisation de design préliminaire. En fait, les case studies for design thinking, il n'y en a pas beaucoup qui sont très bien documentés. Fuel for Last Tool, comme on dit là, il est intéressant. From IDEO.org, c'est intéressant. Après, en fait, moi, je vous dirais, tapez Case Studies Design Thinking, Human Centered Design, et vous allez trouver plein d'idées
باش يوريكم كيفاش معناتها الستوري كلها معناتها منين خرجنا وكيس كون اتروفي كوم انديس وكومون سا نوزا امني ا سيرتان اندوا واحد وكشي كوم انا في دلا كرياسيون خاطر ابري يا دوتر بوك كي سون با فورسيمون ما اسمهمش ديزاين ثينكينغ فما كتاب اسمه هوني ايماجين donc c'est un livre qui parle de créativité. Il y a d'autres livres qui parlent d'innovation dans lesquels vous pouvez trouver des case studies et trouver plein de choses comme ça. Les homers qui ont un processus d'inspiration. Donc c'est quand même assez c'est très large. Honnêtement, je n'ai pas une seule référence. J'en ai plein et ça change tout le temps. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses avec lesquelles je peux vous aider ce soir? Comment positionner un bien dans la maîtrise de gestion de risque? Aucune idée. C'est pas grave, parce que je pense que c'est un peu en dehors du sujet Internalium. Peut-être qu'on peut laisser les autres questions pour les personnes qui veulent l'envoyer directement. Ça fait déjà une réunion, on a dépassé le temps, donc on va s'arrêter au nid. Donc, j'encourage toutes les personnes qui auraient des questions ou qui cherchent des références à soit nous contacter via Tunisian Startup et on transmettra la question, soit de contacter directement Inès et avec je suis plaisir. Sûr qu'elle vous répondra. Sinon, écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant et merci pour l'interaction de toutes les personnes qui étaient avec nous, ça a permis d'enrichir la discussion. Ce que je vais vous dire, Anna, c'est à la prochaine fois. Il y a encore des sessions qui nous attendent. Vous êtes une session sur l'intelligence artificielle le mercredi prochain et une dernière le vendredi, Inch'Allah. Donc, on vous attendra mercredi pour une session qui parlera de l'intelligence artificielle et de comment considérer le produit pour l'intelligence artificielle. Voilà. Ken Ed, Marandek Haja, tu veux rajouter Nadia Emeni. Sinon, on va clôturer maintenant. Si tu me permets, Wassim, juste pour dire, ça m'a dit juste par rapport à votre sujet, à l'intelligence artificielle la prochaine fois. Justement, je pense que c'est Microsoft qui vient de sortir un jeu pour développer l'empathie, pour pouvoir faire de la conception pour de l'intelligence artificielle. Donc, hata en faisant de la conception pour de l'intelligence artificielle, c'est, on cherche aussi à développer l'empathie, à se mettre à la place du user. Donc, il y a des choses en fait intéressantes à faire et des liens intéressants à faire entre les sessions. Voilà. Absolument. Pour la petite histoire, en fait, je serai l'intervenant pour la partie sur l'intelligence artificielle. Et un des messages que je passerai, c'est que développer un produit à base d'intelligence artificielle, ça passe un petit peu par les mêmes outils qu'on utilise pour n'importe quel produit. Donc, design thinking, réfléchir de manière lean, implémenter de manière agile. Donc, on verra tout ça, Inch'Allah. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Adam, tu voulais intervenir? Non, juste je coule honnêtement, on a malgré tout beaucoup de mainés. Certains ça, franchement, c'était vraiment un allium. Je trouve que beaucoup de choses, mané. Pourtant, il y a ce magroum de l'UX design, il y a tout ça, mainés. Aïe. Et voilà, très très bientôt. Qui m'a parlé de Sim mercredi prochain, Inch'Allah, on aura une session à la ATS Academy, à comment appliquer l'IA. Fait le produit et voilà, donc merci comme ça ou à très très bientôt Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye.